tout le monde. Alors, on est le 16 septembre. Qui dit 16 septembre dit que demain c'est ma fête. Là, ma petite puce fait encore dodo. Fait que je vais chercher mon café dans le salon. Je m'apprête à télécharger le vlog que j'ai fait hier sur mon ordi. Puis, c'est ça, le lit. 10h04. Fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est encore du lavage. Je veux télécharger mes vidéos que j'ai enregistrées hier. J'en ai enregistré deux. Là, je vous dis tout de suite, mon rangement de maquillage n'est pas tout à fait comme je voulais parce que. Parce que la luminosité a baissé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que c'est ça. Fait que demain c'est ma fête. Fait que je sais pas, je vais peut-être aller au congrès à Saint-Julien. En avant-midi. Puis après ça, ben je vais revenir à la maison m'occuper de ma fille. Je sais pas encore. Fait que c'est ça. Là, je m'apprête à télécharger mon vidéo. Fait qu'aujourd'hui, je vais peut-être aller prendre une marche avec Marie-Flore. Sur le bord de la rivière. J'essaie de mettre mon mot de passe sur mon ordi, puis ça va mal d'une main. Puis il fait super beau, mais il fait froid. J'ai pris un peu à cette heure-là. Puis je m'excuse pour ma voix, là. J'ai tellement mal à la gorge. J'ai mal à la gorge, j'ai le nez qui pique, les yeux qui piquent. Je pense que je suis dû prendre mes pilules d'allergie. Puis une vidéo que je voudrais faire aujourd'hui, c'est mes 5 trucs pour faire diminuer un mal de tête. Parce qu'au fil des années, je me suis rendu compte que dans mon corps, moi, ça marche comme moyennement, là, mais je veux dire, ça me fait juste me calmer et tout ça. Puis je pense que je pourrais peut-être vous aider si vous aviez mal à la tête. Fait que j'ai décidé de filmer ça. Je sais pas si ça peut être intéressant, mais c'est 5 trucs super simples. Fait que là, je télécharge mon vidéo. Fait que là, je regarde la photo de mon écran. Je vais vous la montrer. Elle était tout petit. Hein. Ouais, ça va trop vite. Ça a comme pas d'allure. Elle a 7 mois et 30 quelques jours. Ça va vraiment trop vite. La semaine prochaine, elle devrait avoir 8 mois. Vraiment, c'est fou. Là. Ça va vraiment vite. Aïe aïe aïe. Ouais. Fait que je fais ça et on se revoit plus tard. À plus tard. Ouais, salut tout le monde. Alors, il est rendu midi. Et je montre mon outfit de la journée. Alors, c'est juste un chandail à pois. Avec une paire de jeans comme ça. Les mêmes. Puis ce que j'aime, c'est du dos, mais là, on ne le verra pas. Mais il y a un zipper derrière le chandail. Là, la petite fille joue dans son jeu. Ma fille joue dans son jeu. Puis moi, je fais du ménage dans sa chambre. En écoutant le CD de bébé. Alors, je la montre. Hello! Hello! Bonjour, madame. Fait qu'elle est dans son jeu. Fait du bruit. Fait que c'est ça. Fait que moi j'ai fait. Je suis en train de faire du ménage parce que c'est le bordel. Là. On a mis tous les cadeaux que les gens ont donné à Marie, tout pêle-mêle. J'ai changé de grandeur de vêtements aussi, attendu à 3-6 mois. Ben en fait, il y a encore des morceaux de 0-3 mois qui est fait. Fait que là j'ai trié tout ça. Et là j'ai un bac qui est à finir de remplir.
fait que c'est ça. Puis ça, c'est un sac à donner parce que c'est des vêtements de gars. La personne devrait passer bientôt. Fait que c'est ça. Fait que là, je relaxe aujourd'hui vraiment, vraiment beaucoup. Je pense énormément. Je pense à l'amitié. Pour rien vous cacher, je pense vraiment à l'amitié, à ce que c'est l'amitié. Si. Je sais pas si ça vous est. Sûrement, ça vous est déjà arrivé de vous faire niaiser par une personne qui dit votre ami. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques jours. Fait que je suis en train de réfléchir à l'amitié, puis ce que je veux dans ma vie, parce que je me rends compte qu'il y a des choses que je veux plus dans ma vie. Puis d'autres que je veux aussi dans ma vie. Parce que. C'est comme demain, c'est ma fête, puis à chaque année, je fais un bilan de. Un bilan comment ça s'est passé mon année, puis j'écris, j'ai un cahier, ben je veux refaire ça, puis ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais ça fait je pense 2 ans que j'ai pas fait ça, un bilan de ce qui s'est passé cette année, comment ma santé s'est passée, comment ma vie sociale s'est passée, est-ce que j'ai été capable d'être moins gênée que l'année d'avant, est-ce que je suis capable de m'imposer un peu plus? Est-ce que ma vie amoureuse, est-ce que ça se passe comme correct? Mes projets que j'aimerais avoir pour cette année. Dans le sens que... Dans le sens que... C'est... J'aimerais ça aller voir des maisons, j'aimerais ça. Est-ce que je voudrais retourner vraiment travailler chez Content Max ou est-ce que j'aimerais peut-être aller à l'école? J'aimerais peut-être me perfectionner en maquillage, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Fait que tu sais, plein de questions comme ça. Puis je fais ça, je pense. Ben là, ça fait, je pense. Bon, à peu près 2 ans, je ne l'ai pas fait, mais d'habitude, je l'écris. Mes objectifs pour cette année, de perdre du poids, tout ça. Puis, à chaque jour, j'écris aussi comment je me sens moralement. Fait que c'est ça. C'est ce que je vais faire aujourd'hui aussi. Là, ma petite puce, elle joue un petit peu. Elle va sûrement faire dodo tantôt. Puis aujourd'hui, ben c'est ça, ça faisait longtemps que j'avais pas eu mes règles, puis parce qu'on se parle de tout, nous, sur YouTube. Et c'est ça, et depuis hier, j'ai très 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 mal. Fait que c'est ça, c'est l'allaitement fait que, l'allaitement, le tirage de lait fait que t'as pas de règles, mais t'en as un petit peu, puis des fois c'est très douloureux, comme présentement. Fait que sinon, à part ça, ben, je bois mon café, qui est rendu je sais plus où, mais je bois mon café, je suis en train de télécharger une vidéo sur YouTube, je vais faire le montage tantôt de mon rangement maquillage, pour vous le mettre en ligne aussi, aujourd'hui, je pense que je vais mettre 2 vidéos, demain 2 vidéos, c'est ça, demain, je vais faire un vlog aussi, puis je vais le mettre en ligne dimanche. Je vais faire un vlog ou peut-être je vais filmer toute ma fin de semaine. J'aimerais être moins gênée puis filmer devant mon conjoint aussi, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que nous, on se reparle très bientôt. À tantôt! Salut tout le monde! Alors, il est rendu 1 h et je m'apprête à faire mon dîner. Et là, j'ai mis mon vlog en ligne. Et là, je suis en train de mettre ma collection de maquillage. Et j'ai décidé de manger des œufs. Et du bélonné cuit dans la poêle. C'est full pas santé, dans le sens que c'est full gras. Mais, ça me tendait. Avec des tomates. Avec des tomates puis des cocombes. Ça va être mon dîner. Puis, ma petite fille a fait de dos. Puis c'est drôle parce que j'ai mon moniteur, puis
puis à vendre. C'est fou! Fait que là, je vais filmer après avoir mangé, si j'ai le temps, je vais filmer un vidéo. Il y en a d'autres que j'aimerais faire, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresserait, mais j'aimerais parler de mon expérience en tant qu'avoir des tatous et des piercings, parce que j'ai déjà eu des piercings ici. Fait que j'aimerais vous parler de ça. Et 5 trucs pour pas avoir, pour avoir moins mal à la tête. Aussi, que j'aimerais filmer. J'aimerais au moins, là comme là, je vais barrer dans ma liste ce que j'ai déjà filmé. Puis, je veux planifier au moins 3 vidéos par semaine plus les vlogs. J'aimerais peut-être faire un tag avec une youtubeuse, je sais pas quoi encore. Fait que c'est ça. Là, je me prête à manger et on se reparle après. Bye. Salut! Alors, il est rendu 3h18. Ma fille fait enfin dodo. Tantôt, je pensais qu'elle allait faire dodo, mais elle s'est réveillée à cause d'un gros bruit qu'elle a entendu à l'extérieur. Fait que là, j'ai filmé un vidéo sur les maths de terre que je vais mettre en ligne aussi aujourd'hui. Puis là, je suis en train de finir de télécharger mon rangement maquillage, ma collection de maquillage, mon organisation maquillage et ma collection. Qui est en veille d'être en ligne. Je suis quand même fière de moi que je vais aller barrer les vidéos que j'ai faites. C'est ça. Et c'est ça. Puis là, je vais me reposer un petit peu. Parce que je suis un petit peu fatiguée. J'ai mangé un fruit, ça va me faire du bien. Puis je voulais vous parler de... Bon, moi je bois pas d'alcool. Je fais alcoolique anonyme. Mais j'ai essayé la bière sans alcool. Je vais vous la montrer parce qu'on n'a pas été portée encore. Mais je vais vous la montrer. Bon, c'est de Budweiser comme ça, sans alcool. Honnêtement, elle goûte très bonne. Elle goûte un petit peu comme la vraie Budweiser, mais sans alcool. Évidemment, c'est sûr que ceux qui n'aiment pas la bière n'aimeront pas ça. Moi, je l'ai bien aimé. Oui, je vais la racheter, honnêtement. Oui, je l'ai bien aimé. Puis, oui, c'est, ça a l'air bizarre ce que je vais dire, mais ça m'a pas donné le goût de boire, là, c'est pas ça que je voulais dire. Mais, au niveau de la montée de lait, ça m'a aidé. Alors, je sais pas si ceux et celles qui ont peut-être des problèmes de lait, je vous dis pas de vous acheter de la Budweiser, mais je vous dis peut-être d'aller voir dans les produits naturels les trucs au houblon. Peut-être ça peut vous aider aussi. Mais ceux qui n'aiment pas la bière, qui aiment festoyer, qui n'aiment pas l'alcool peut-être, là, parce qu'il y en a peut-être entre vous qui n'aiment pas l'alcool. J'ai aussi découvert cette marque-là. Ça s'appelle, voyons, je vais le dire comme tu veux, Xavier. Comme ça. Alors, sans alcool aussi. Mou de pomme au bleuet. Je sais qu'il y en a aux pêches, il y en a plein de différents goûts. Ça, je vais vous avouer, c'est comme super bon. Ça goûte frais, ça goûte le jus de pomme, évidemment. Mais, tu sais, c'est pas parce qu'on ne boit pas qu'on peut pas prendre un petit verre de quelque chose. Puis vraiment, je trouve que pour le prix, écoute, ça vaut vraiment la peine. Puis en plus, c'est un produit québécois. Comme ça. Mais en fait, c'est marqué produit canadien. Mais je veux pas focusser, mais comme ça. Fait que je suis vraiment contente. Je sais pas par contre de où ça vient. C'est marqué Saint-François de Xavier. Ce que ça contient, ça contient du jus de pomme, de l'arôme naturel de bleuet, du jus de fruits et de légumes pour la couleur. Et évidemment, c'est pétillant, fait que
l'acide de acobric. Que allez voir au Provigo, au Maxi. Excusez-moi. Ceux qui tiennent ça, je sais que chez Costco, ils ont un similaire comme ça, sans alcool, aux pêches, aux pommes grenades, qui est vraiment très bon. Alors, ceux qui prennent pas un verre comme moi, ben, peuvent se permettre de prendre un petit truc frais un peu, puis ça fait du bien un petit peu. Fait que ça, là, je suis en train de télécharger, il reste peut-être 10% à faire. Là, je vais me faire un autre café. C'est ça. Puis j'ai lu un premier commentaire sur mon blog tantôt. Peut-être celui-là, je vais le mettre aussi ce soir. Non, j'ai pas pensé que la personne était méchante, loin de là. Le but de la reste. Le but de l'avoir dit, c'était vraiment juste pour qu'elle. Je sais pas si c'est pour qu'elle comprenne ou pour qu'elle. Je sais pas comment le dire, là. Je pense pas qu'elle est méchante, loin de là. Dieu sait que non, c'est pas mon but. Moi, j'ai jamais jugé qui que ce soit. Et c'est pas cette année que j'ai commencé. Je pense que je suis la même personne en vrai que pas en vrai. C'est-à-dire. Faudrait demander à Jess the Mom et Jess and the Family si je suis la même personne qu'en vidéo. D'après moi, oui. En tout cas, je crois vraiment. Fait que c'est ça. Fait que nous, on se reparle tantôt. Je vais essayer de me reposer un petit peu. Je vais tirer du lait aussi. Parce que. Puis j'aimerais peut-être en reparler un petit peu des tirelets et tout ça, peut-être à un moment donné, faire une petite capsule, une petite vidéo de sur les tirelets parce que vraiment là sur le lait et tout ça, mon expérience va faire bientôt 8 mois. Je vais peut-être faire déjà 8 mois bientôt. Postpartum. Et aussi j'aimerais filmer, fait que je vais travailler un petit peu là-dessus, à savoir les idées de vidéos que j'aimerais faire bientôt. Parce que j'aimerais ça tourner, comme j'ai dit, 3 vidéos par semaine. Plus des vlogs. Fait que c'est ça. Fait que nous on se dit à tantôt. Salut tout le monde. Alors, il est rendu presque 8h. Et je vais conclure mon vlog de ce soir. Parce que. Parce qu'il est assez tard. Et là, en fait, ma petite puce fait dodo. Elle n'a pas dormi de la journée, finalement. J'ai dû aller faire un petit dodo avec elle. Et ici, j'ai vu que petite coquette 02 allait faire un live où elle l'a fait. En tout cas, moi, ça ne marche pas. Ça me montre juste les commentaires que les gens ont écrit en bas. Pour le moment. Fait que nous, on se retrouve demain. Aujourd'hui, j'ai quand même été productive. J'ai quand même mis 3 vidéos en ligne. C'est ça. Puis je vais mettre celui-là aussi. Fait que quand même, je suis quand même fière de moi. Je me suis reposée un petit peu aussi. Fait que c'est ça. Fait que moi, je vous dis à demain. Je vous aime très, 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 très fort. Et si vous aimez cette vidéo, partagez-le. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à m'en parler comme. De commentaires, oui. Et nous, on se retrouve très bientôt. Bye bye.